Eh bien bonjour à tous, bienvenue les gars. On se retrouve pour la suite de l'épisode que vous avez vu normalement le lendemain. Je suis désolé parce que j'ai remarqué qu'il y avait un petit problème de son. Excusez-moi vers la fin. Mais après c'était pas dérangeant, c'était quelques secondes. Et dans cet épisode, si écoutez, on va tester le T-Rex. Parce que oui, encore une fois les gars, je suis une raclure. Je vous ai arrêté avant même de tester le T-Rex. J'avoue que les gars, je suis une raclure. Alors, c'est qui le plus haut level? Ah, c'est lui, hein. Heureusement, parce qu'il est vraiment pauvre, lui. Enfin, bon, façon de parler. Il n'est pas spécialement séduisant non plus, mais bon, il est clairement plus beau que son congénère déjà. Et du coup, oui, aujourd'hui, les gars, on va enfin réellement pouvoir tester notre petit T-Rex. Voilà. Je vais arrêter d'être une raclure et réellement vous le montrer. Non, mais alors, n'empêche, je ne sais pas. Comment une bête comme ça arrive à chier des trucs, mon gars? C'est terrifiant, hein. C'est terrifiant, réellement terrifiant. Ouh. T'as chier une belle merde, toi? Oh, même pas, je suis dégoûté, frère. Hop, oh, je suis désolé. Votre épisode à vous, les gars, ça va commencer par regarder moi en train de ramasser de la merde. Bon, comme le dernier épisode, après, hein. Et toi, t'as fait un œuf, toi, mais comment t'as fait un œuf tout seul? Non, mais il est dégénéré, ce machin. Du coup, oui, on va enfin pouvoir tester le T-Rex. En plus, c'est vrai que j'avais oublié de vous montrer un truc que j'ai fait. Que je vais vous montrer, d'ailleurs, maintenant. Comme ça, je vais encore vous faire perdre un maximum de temps, vous faire péter un câble, et vous êtes sûrement en train de vous dire, fils de pute, je vais venir chez toi et te casser la gueule. Montre-nous ton putain de T-Rex, et vous aurez... Pas tort de me demander ça, cependant. Voilà, en plus c'est un truc tout con. Mais il faut savoir que j'ai fait baiser les raptors et les carnots. Et du coup, dans ce truc, vous pouvez voir qu'il y a un. Non, même deux, trois, pardon. Il y a trois œufs de dinosaures fécondés. Qui veut dire que les gars, en soi, il faut que je les mette dans... que je les mette dans une zone où il fait chaud. Et. Je pourrais faire éclore ces dinos et avoir, eh bien tout simplement, un raptor, un ptera ou un machin. Voilà, c'est tout. Et d'ailleurs, les gars, c'est ce qu'on va faire dans cet épisode. Oui. Dans cet épisode, je vais faire un raptor. Voilà, on va se tabasser le raptor. Mais avant, quand même, je vais... Oh putain, mais vous me cassez les couilles, il y a chier tout le temps partout, là. Eh, frérot, je suis tout le temps de la merde dans mon inventaire, là. Et réellement de la merde, hein, pas des cochonneries. Et d'ailleurs, j'ai fait baiser ces deux raptors, du coup, j'espère qu'on aura un raptor. Un raptor tech. Voilà, parce que ça s'appelle comme ça. Bon, du coup, voilà, eux, c'est fait, j'ai récupéré toute leur merde. Et maintenant, mon gars, on va tester. Ouah, par contre, il est extrêmement lent. Je vais améliorer sa vitesse de ce pas. CBG, non mais CBG. Non mais attends, toi regarde, toi mon gars. Oh, 1500. En vrai, c'est un peu triste, hein. 1500, c'est pas tant que ça, hein. Il fait presque autant de dégâts qu'un Carnot, quoi, que mon Carnot. Mais je vais régler ce problème. Du coup, voilà. Son clic droit, il faut savoir que c'est justement ce cri. Qui est, ma foi, plutôt. T'entends ça, mon gars? Je serais toi, je courrais. J'ai vu un raptor à gauche. Alors voilà, le T-Rex, les gars. J'adore le T-Rex parce que bah, de toute façon, tout le monde adore un T-Rex. Le problème du T-Rex, c'est que les gars, c'est une montagne, le truc. Il est extrêmement nul à piloter. Voilà, je dis ça comme si c'était un avion. Mais voyez, les gars, là, je tourne. Oh, le temps qu'il prend à tourner. Mais mon frère, tu manges ton frère? Mais c'est répugnant. Bon après je dis ça les gars, tous les escargots que vous avez vus là dans le dernier épisode là qui sont ici, je peux vous dire que mon gars, oulalalala, un escargot ça doit être sacrément con, mais alors là mon gars, oh là je les ai fait baiser mais entre frères et sœurs, non mais mon gars il faut pas savoir comment ils ont été faits eux, hein, parce que
Je vous jure que le type, il a dû baiser sa sœur, son frère, puis sa mère, son père. Enfin bref, parce qu'ils ont pas de sexe. Bah du coup, oui, pas de frère et sœur, mais ça a dû... Enfin bref, ça a dû baiser entre entre hommes de sang. Non, mais je sais pas comment on dit. Ah, mais c'est réel, ça. Parce que logique, tu vois, t'as une sœur, si t'es une fille, et que c'est de la même famille que toi. Mais comment on dit si t'as pas de sexe? C'est ton collègue de sang? Ouais. Alors normalement, attendez, ce cri, il est censé faire fuir les dinos. Ah, il m'attaque pas, et vous voyez que du coup, il fuit. Enfin, il m'attaque pas, moi. Parce qu'ils ont peur de moi. Parce que je viens de faire un cri de fou furieux. Je pense que là, ils vont plus avoir peur de moi, ils vont m'attaquer. Et vous voyez, là, je fais le cri. Et vous voyez qu'il fuit. Mais revenez là! Tout, 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 tout. Ah, moi je vous apprends le respect là, bande de petits cons. Waouh. Il est beau notre petit T-Rex. Bon bah du coup voilà. Bon bah écoutez, en vrai, comme je vous l'ai dit, il est bien le T-Rex, mais le problème c'est que... Pff, le frérot à piloter, c'est une infamie. Et vous savez quoi les gars? Hop. Lui je vais le laisser ici, car il va protéger les escargots. Voilà. Un très beau garde du corps. Hein. On a un garde du corps qui protège les escargots et on a un garde du corps qui protège chez moi. Et puis lui, bon, lui, il est jamais dans sa volière. Parce que voilà. Bon, du coup. On a quelque chose à faire, nous. On a quelque chose à faire et c'est... Putain, j'arrive pas à trouver les mots. C'est terrifiant, je suis désolé. Ce qu'on a à faire, oui, c'est de faire éclore le dino en question. Cependant, avant de faire ça... Il faut qu'on farme un peu de bois. Je crois qu'il nous faut du branchage aussi. Oh, c'est chiant ça. Voilà, bon après j'ai pas besoin de tant que ça. Si en vrai je vais avoir besoin d'un peu. Parce qu'on va enfin utiliser ma deuxième maison. Voilà, ma deuxième maison qui est à côté de moi et que j'ai jamais utilisée encore. On va l'utiliser cette fois pour une fois. On va utiliser une salle, on va créer une salle. Pour faire une salle avec... exclusivement des feux de camp pour que la salle soit chaude et que l'œuf ne meure pas. Et oui les gars, on va juste hop, recharger ça et je vais prendre sur lui parce que lui normalement il a des trucs de 10 000. Voilà. Il a 10 000 de fibres sur lui. Hop, 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 hop. Attends, parce que normalement j'ai plein de merde sur moi. Oh, tous les engrais qu'il me fait. C'est god tier, c'est god tier. Du coup, hop. Yep. Oh, ce brouillard de l'enfer, je te jure. Merde, c'est de la pierre. Oh, je suis dégoûté. Là, c'est en train de me dire qu'il faut que j'aille farmer de la pierre. Oh, je suis dégoûté, je suis réellement dégoûté, frère. Je déteste ce farm de la pierre. Je farme tout le temps de la pierre. Et c'est quoi ce brouillard de merde, wesh? Ah mais pourquoi il y a un attroupement de tricératops là? Non mais les gars, il faut dégager d'ici. Hein. Ouais, j'ai réglé un peu le problème parce qu'il y avait un peu trop de tricératops. Bon, ne faites pas ça dans la vraie vie, les gars. Hein. C'est pas parce que vous voyez plein d'animaux au même endroit qu'il faut les fusiller avec un fusil à pompe. Hein. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Wouah, mais c'est quoi ce temps de merde, frère? Je vois que dalle, là. Putain. J'ai jamais de pierre près de chez moi, parce que j'ai littéralement cassé tout ce qu'il y avait à casser, et en plus, je vois que dalle. Non, mais c'est un enfer, cette zone. C'est un enfer. Je ne vois même pas à deux pas. Comment tu veux que je trouve de la pierre si je vois rien? Oh, mes flèches. Alors ça les gars. Putain. Dégage-toi. Oh l'enculé. Il m'a piqué mes flèches avec ce temps de merde, je vois pas où il est. Oh le fumier. Mais attendez, je suis trop con. Oh mon gars. Oh le petit enculé, je t'ai vu.
Alors, oh, mes flèches, petit enfoiré de merde. Il est fou, lui, hein. Mais bien tenté, n'empêche. Avec le temps, si j'avais pas mon objet modé, il m'aurait bien baisé la gueule, cet enculé. J'avoue qu'il a bien failli me baiser, mes grands morts. Vas-y, frère, je vois rien, là. Ah, ça se forme, ça? Même pas, putain. Bon, normalement, ça, ouais. Super, tout ça pour 100 de pierre. Bon, on va rentrer à la base. Oh non, moi j'en ai ras-le-bol là. Voilà. Laisse-moi tranquille, frère. Youhou! Je perds des dégâts. Enfin, je vais perdre des dégâts. Je vais perdre de la vie plutôt. Oui, effectivement, du coup, j'en ai réellement perdu. Je suis dégoûté. Du coup, oui, putain, il faut qu'on fasse mon truc là. Hop. Bah, je vais prendre l'œuf avec moi direct. Hein. J'espère qu'il va pas mourir trop vite. Parce qu'il faut savoir qu'il peut mourir. Hein. Du coup. Ah ouais, c'est un Raptor Tech. C'était réellement ça. Je suis trop content. Bon, après, par contre, les gars, sachez que c'est un peu modé. Voilà, de toute façon, tout est modé ici. Enfin, pas modé, c'est. Voilà, j'ai amélioré la rapidité du dino pour que ça soit vraiment très rapide. Du coup, à mon avis, je tiens à vous le dire, les gars, ça va pas durer. On va le voir, en 5 minutes, le truc, il va éclore, il va déjà être adulte. Ah, attends, mais je viens de penser à un truc, là. S'il éclot et puis il devient adulte, comment je le fais sortir? J'ai pas pensé à ça, là. Oh, putain, il me faut de la pierre. Oh, j'en ai ras le bol. D'ailleurs, je vais enfin pouvoir ajouter le mur qu'il faut rajouter ici, que j'ai jamais mis, là, putain. Voilà, frère. Oh, je peux pas passer. Ah, oh, oui, parce qu'il y a deux niveaux de toit. Je peux passer là? Oh, je peux pas passer. Oh, cet enfer. Oh, cet enfer, frère. Allez, c'est reparti pour faire. Oh là 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 là. Je n'en peux plus. Mais oui, parce que c'est un bordel. C'est mal construit ici, mais c'est un bordel, les gars. Je vous jure, je déteste ce jeu pour la construction. La construction est vraiment juste mauvaise. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Regarde ça, frère. C'est quoi, ça? Pourquoi ça peut pas bien être mis? Regarde, si je veux pas de trou chez moi, tu regardes de dehors, ça va être ridicule. Non, c'est pas si ridicule que ça. Mais si c'est ridicule, il y a des murs qui dépassent. Enfin bref, écoutez. Bon, elle est peut-être un peu grande. On va pas prendre autant de place non plus. Je pense que ça, ça peut être pas mal. Bon, je prends déjà énormément de place. Juste pour un truc pas fou. Bon, je peux passer du coup là? Je peux toujours pas passer. Je suis pété un câble. Mais en fait, c'est, ouais, c'est à cause de ça là-haut là. Bon bah écoute, il y aura jamais de mur ici, puis voilà. Pourquoi je voulais sortir dehors en plus, moi? Ah oui, pour de la pierre. Du coup, je vais les récupérer comme ça, ça irait bien plus vite. Ah, quoi qu'il y ait de la pierre en face, là. Ah oui, il y en avait juste là, en plus. Putain, je me trompe dans mes touches. Bon, 150, j'espère que ça suffira. On va se faire. Hop. Oui, oui, oui. Feu de corps, il y en a peut-être un peu trop quand même là. Hop. Attendez, mais j'espère que je vais pas avoir le même problème là. Et ben voilà, c'est pareil. Il y aura pas de mur ici. Qu'est-ce qu'on va pas me faire chier? On va pas me faire chier avec leur putain de merde là. Voilà. Et maintenant, on allume. On allume. Faut qu'il fasse plutôt chaud pour pas qu'il ait trop froid.
Oh non. Encore un dino qui vient casser les couilles à attaquer. Ça, ça s'utilise vite. Hein. Oh, ça s'en bat les couilles au pire. C'est juste pour un œuf. Pas me faire chier. Hop. Et hop. Du coup, il faut le jeter au milieu. Et ben voilà, il a déjà éclos. C'était vite. Hein. Et vous voyez, là, il est déjà un enfant. Vive, vive, suis-moi, mon gars. Suis-moi pendant que tu le peux encore. Suis-moi. Oh non. Oh le con. Ah, il est déjà. C'est déjà un ado. Oh merde, c'est déjà un ado. Oh merde. Oh, casse les couilles, frère. Je suis bloqué. Oh bah, mon gars. Tu seras un raptor de maison. Tu vivras ici, mon gars. Et voilà. C'est bon, il est déjà adulte. Mais il est minuscule. Mais non, il est ado, là. Il est vraiment là. Bon, bah voilà, les gars. C'est comme ça qu'on fait. Bon, alors là, ça a été extrêmement vite. Mais voilà, en gros, c'est aussi simple que ça. Bon, mon gars, bah... Il va pas me faire sortir, l'enfoiré. Ah, t'es bien ici, là. Ah, là. Bon, bah, bonne chance, hein, allez. Je t'allume un feu parce que je suis sympa. Hein. Bah, écoutez, les gars, on aura un raptor de maison. Voilà. Pas faire chier son monde, là. Hop. 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 Ça bosse bien ici, là, ou pas? Oh, sang de bave. Oh, oh là là, c'est que cher. Vous savez quoi? Je vais me faire une petite farm. Une petite session où je vais récupérer toute la bave. Vous allez voir à quel point c'est passionnant. Et j'ai bien évidemment menti. Cependant, c'est des ressources faciles et rapides. Alors là, je vais pas me plaindre pour ça par contre. Hop. Hop. Oh là là, vous allez voir toutes les belles ressources. Oh, aïe, aïe, aïe. En plus, ils sont déjà prêts à baiser, frère. À tout moment, ils sont déjà prêts pour me faire 20 000 gosses. Mais eux, je vais pas les faire baiser parce que. Frérot, c'est bon. J'en ai déjà trop là d'escargot. Après, comme j'ai dit, je vais pas me plaindre. Ils sont beaucoup, mais bon, au moins, je suis tranquille. Vous voyez que déjà, les gars, rien que eux, on a déjà 800. Alors, imaginez-vous. Tout ce qu'il y a là-bas, tout ce qu'il y a là-haut. Après, il y en a, comme je l'ai dit dans le dernier épisode, les gars, il y en a certains que je ne mets pas en promenade. Du coup, ils ne font pas de bave. Parce que sinon, ça va baiser encore, ça va baiser à fond. Et frérot, je n'aurai plus de place à la fin. À la fin, les gars, ça sera terrifiant. Ça sera comme la maison pour les personnes qui ont la rêve. Si vous avez la rêve, vous êtes très fort. La maison avec le rat, là. Le rat et puis les petites merdes de cafards ou je sais plus quoi là. Ça va finir la même chose quoi. Vraiment. Hop. Moi bon, du coup là c'est qu'ils sont tous taqués là du coup. Bah, du coup ceux que vous voyez qui n'ont rien, bah c'est. Ah bah tu vois lui je l'avais pas récupéré. Allez dégage toi. On va récupérer ça aussi quand même. Oh là là, mais frérot, c'est une dinguerie là. J'arrive pas à savoir qui est qui du coup. Putain. Je voulais le jeter, mais. Ok, toi t'es nul. Toi, on te prend. Toi, on te prend. Toi là, je te prends avec nous. Monsieur. Ah. Oui aussi les gars hein, bien sûr j'espère que vous aimez les bruits de paix. Parce que eux ils chient toutes les 2 secondes frère. Enfin du coup ils chient pas, c'est juste leur bave. Mais ils t'en chient Et vous savez quoi? Je vais vous laisser avec mon bruit de clavier mécanique et les bruits de paix. Parce que c'est toujours cool. Il faut savoir profiter un peu dans la vie.
Ah, il y en a beaucoup quand même que j'ai pas mis en promenade, hein. C'est chaud. Hein. Je vais faire dégager ceux qui ont rien, au pire. C'est une dinguerie. Mais il est fluorescent lui, c'est chaud. Bon messieurs, vous m'empêchez d'aller voir vos collègues là, dégagez bordel. Voilà. Ah non. On reprend ta polymère toi, j'en ai rien à foutre. Ah mais j'ai déjà tout récupéré sur tout le monde. Ok, bon bah voilà. Bon, j'espère que vous avez profité des bruits de paix. Ah mais non mais attendez, j'ai oublié ceux qui sont là-haut là. Mais ouais attends, on n'a pas fini. Non mais vous pouvez voir hein, tout ce qu'on a. Non mais guette-moi ça. Et encore on n'a pas fini là. On a là, on a tout ce qu'il y a là-haut hein. Allez, à votre tour maintenant les gars. Eux ils sont un peu moins nombreux, du coup c'est peut-être un peu plus facile à récupérer. Oh les gars, vous ne pouvez pas savoir à quel. Mince. Je vais te redonner ça. Enfin, même s'il le mange pas, du coup. Hein. Tic. Je les ai fait, eux. Non, non. Et voilà. Je sais pas. J'ai dû tous les récupérer. Et voilà les gars. C'est comme ça que je me farme maintenant notre ciment. Bon, c'est pas du ciment, mais c'est un item qui est considéré exactement comme le ciment. Et là, on vient de se taper presque. On s'est tapé une 3400 de ciment en l'espace de moins d'une heure. Sans rien faire. C'est-à-dire que. En gros là j'ai juste à me barrer ou faire d'autres trucs et puis paf ça arrive d'un coup quoi, c'est une dinguerie. Le seul problème c'est que j'entends des bruits de paix toutes les 2 secondes. Mais bref, les gars c'est une dinguerie, non mais je suis trop content frère. Ça me retire un poids de farm mais colossal. Et ça les gars ça me fait bander, non mais je peux le dire et je le dis avec très grande fierté, je bande en voyant ça. Je vais me branler, frère. Je n'en peux plus. Je veux me toucher le sexe, là. Bon, je vais me calmer un peu, quand même. Et du coup, écoutez. Aujourd'hui, on va se faire des trucs, là. On va se faire des trucs de fou. On va se faire la mur anti-émeute. Voilà, je la fais. Comme ça, on l'aura fait. On va se faire... Non, ça, on peut pas. On va se faire le bouclier. Ah, ça, je peux pas, malheureusement, encore. Qu'est-ce qu'une mineure, bon ça ne sert à rien. Plongée. Ah ouais la plongée. Ah merde, de la chitine. Le problème c'est que maintenant la chitine. Non mais attendez, normalement je dois avoir plus de 1000 de chitine dans ça là, parce que j'en ai laissé exactement 1000, un hein, truc du style, non? Il est où? Mais oui, presque 1000, bah voilà, faut pas déconner. Hop. Chitine. Allez, donne-nous ça. Hop. Armure plongée. Hop. On fait ça. Et le polymère. Putain, par contre, maintenant, c'est le polymère le problème. Ça. C'est pas un problème le polymère, mais ça prend une blinde à se faire en fait. Enfin, c'est long. C'est extrêmement long. Du coup, voilà, ça c'est fait. Ah bah oui, non, mais attendez, moi en plus, je voulais faire un truc en particulier, mais je vais plus pouvoir le faire parce que j'ai plus de polymère. Il me reste combien de polymère? Ah non, je crois qu'il en fallait 800. Cuisine. Non. Défense. Fabrication. Je voulais faire un broyeur industriel. Voilà. Ça va pas être particulièrement utile, je pense. Mais j'avais envie de le faire. Mais oui, un coffre-fort. On va se faire un coffre-fort aussi, putain. Polymère, voilà, on va s'en faire 600.
Oise. Bon, je voulais faire un autre truc, mais non. Hop. Le broyeur industriel qu'on va mettre. Il est énorme. Waouh. Je ne peux pas le faire rentrer chez moi, là. À moins que. Oh, attendez. Je peux le faire pile rentrer là. Ouais, mais après, je peux plus passer, moi. On va voir un pro. Ah. Je peux le mettre là au milieu. Putain, ça fait vraiment des queues là. Oh, j'ai eu peur que je pouvais pas le ramasser. Bah, en vrai, je peux le mettre à l'étage là-haut. Hein. Je peux le mettre à l'étage. Ah, ouais, mais même là, mon gars. Ah, ici, là, comme ça. Je peux même pas. Hop. Et voilà. Putain. C'est énorme. Oh. Fragment de carapace. Pierre. Bois. Mais c'est nul à chier. Je suis dégoûté, frère. C'est quoi, ça? Est-ce que je peux broyer littéralement tout? Genre la... Mais c'est nul à chier, frère. J'ai utilisé tant de ressources pour ça, là. Je suis anéanti. Attendez, je vais prendre du bois. Est-ce qu'il déjà, il faut... à mon avis, il faut de l'électricité, non? Ou un truc pour la faire fonctionner. Parce que là, j'ai rien vu qu'il le demandait. Putain, tu veux me dire que j'ai pas de bois dans mes coffres? Je vais prendre ça pour voir si... Ah, si, là. Putain, j'allais dire, j'ai pas de bois. C'est chaud, quand même. Est-ce que si je mets du bois... Mais non, je peux rien faire. Mais oui, il faut de l'électricité, à mon avis. Ah, de l'électricité ou de l'essence? Ah, parce que l'électricité, je vous avoue que ça va me casser un peu les couilles si ça en demande. Parce qu'il faut que je fasse un câble qui monte en haut, en plus ça va pas être beau. Oh. Est-ce que je peux le récupérer? Je peux même plus le récupérer là. Ah. Et si je mets ça? Est-ce que ça marche ça? Mais non! Mais c'est si nul! C'est si nul! Ah, par contre! Attends, si je mets du branchage, je peux faire du bois, non? Mais c'est nul à chier. Je suis anéanti, frère. Mais en plus... Je suis dégoûté. Non, mais je dis réellement là, ce que j'ai fait, je suis dégoûté de ce craft. Ça va consommer des ressources monstrueuses. Juste que je regarde combien ça va consommer. Ça va consommer 800 de ça. 300... Non, 2000 de cristal, qui est chiant. 3200 lingots. 600 de polymère, 600 de pétrole. Je suis dégoûté. Je dis les choses réelles. Je suis anéanti, wesh. J'ai envie de chialer tellement ça me dégoûte. Attendez, il n'y a pas un item qui nous permet d'exposer nos armures? Parce que j'aimerais bien exposer mes armures, en fait. Ah, attendez, j'ai envie de me le craft, ça. Ça demande du ciment, fibre et métal. Ciment, on est là. Fibre, ça demandait des fibres, je crois. Et des lingots de métal. Oh, item collector. Vous savez quoi, ça, je vais me le craft. Enfin, je vais me le craft, c'est un personnage, quoi. Hop, ça, je le prends. Ah bah voilà. Mais attendez, il est où le truc là que je voulais... Ah, ça.
Allez, on va te remettre tout ce que tu veux, toi. Hop, hop, hop. Mince, non, ça, on prend ça. Alors, attendez, ça, c'est bien ce que je pense, on est d'accord. C'est un truc pour que je puisse mettre mes. Qu'on pourrait mettre là. Hein. Ah, ça fait beau là. Je ne peux pas mettre mes armures, je suis dégoûté en fait, je me suis fait full troll. C'est quoi un derme? Une arme? Je peux mettre une arme? Non, moi je sais pas ce que c'est un derme. Alors attendez, un item collector, lui il peut être intéressant, je vous avoue. Lui j'aimerais bien le mettre ici. C'est ridicule. Ah, il faut l'alimenter. Use proper lan. C'est quoi proper lan? Proper lan. Propelin. J'en ai pas la moindre idée de ce qu'est cette merde là. Ça m'écrit propulseur sur Google Traduction. Ok. Alors là, on va avoir un problème, mon petit gars, parce que propulseur. Attendez, il y a un item qui s'appelle propulseur dans le jeu. Propul du tout. Mais ça ne m'aide pas du tout là. Est-ce qu'il faut juste que je lui donne de la nourriture? Parce que si c'est ça, si tu veux, je t'en donne. Hein. C'est pas la bouffe qui manque ici. Hein. Est-ce ceci que tu veux, mon cher? You can craft proper land in the... Ah, putain. In the... S-Industrial Grinder. Oh, putain. S plus... Je sens que ça va me casser les couilles, cette merde. On sait quoi son truc nul là? Grain. Oh! C'est une blague! Je vais péter mon câble en fait. Ah mais en plus ça me demande ça dans un crafting station. Crafting station, bah oui j'ai que ça à faire moi de crafting station putain. Oh là 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 là, je vais péter un câble. Bon tu sais quoi, j'irai voir ça plus tard. Je m'en occuperai plus tard là, j'ai pas envie. Bon bah du coup toi tu dégages, tu me sers à rien. Toi. Ah, c'était me dit qu'il faut encore faire un truc pour faire fonctionner une bibliothèque. Je cassais mon câble. Hein. Hop, on va mettre ça. Là. Et du coup, ici, je peux mettre les schémas. Oh. On va faire ça. Hein. On va mettre tous les schémas que j'ai dans mes coffres. Et après, de souvenir, j'ai pas énormément de schémas non plus. Hein. Est-ce que les recettes ça marche? Parce que les recettes, j'avoue que ça me plairait bien de mettre toutes les recettes dans un certain endroit. Ah mais les recettes, d'accord, ça doit être ça qui nous sert à remplir la cuisine. Ah, ah. Effectivement, je n'avais pas beaucoup de putain de comment ça s'appelle, de schéma. Hein. Attends, est-ce que je peux tout mettre dedans? Ah non, c'est vraiment que ça. Ok. Hop, on va se mettre ceci. Il n'y a pas un truc qui s'appelle mannequin au pire? Bah.
Mais ouais, mais moi je vais pas recraft ça là, c'est énorme. La dinguerie. Ou est-ce que je peux juste. Elle va me faire casser les couilles. Attends, capturer quoi? Capturer le personnage? Quoi, c'est quoi ça? Remplir le mannequin. Ah, ok. Non, on peut pas juste mettre le mannequin, on est obligé d'avoir le gros truc en arrière. Ah, mais moi j'avais pas vu, ça met l'item derrière. Oh. Mais attends, du coup, je peux pas. Bon, vous savez quoi, je vais mettre. Fils de pute. Rends-moi tout. Bon, vous savez quoi, je vais mettre tout là-dedans. Voilà. Moi, je mets tout là-dedans. Je me fais plus chier maintenant. Par contre, toi, non, toi, il faut qu'on trouve des endroits où te mettre. Mais on peut mettre quoi dessus là? Ouais, j'ai pas de trophée de tête. On peut vraiment avoir des têtes? C'est stylé. Je sais pas comment on fait. Parce que des T-Rex, j'en ai buté, hein, mais j'ai jamais eu ça, moi. Ouais, je suis un peu dégoûté là. Tiens, je me suis fait un peu troll sur ça. Ça ne donne même pas ce que j'ai envie en plus. La moitié des trucs que j'ai craft, c'est vraiment de la merde. Je suis vraiment dégoûté. Pour tout vous avouer. Bon, ici, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là? Un incubateur. Oh. Une éolienne. Oh. Je vois pas. Ah, convertir le vent en électricité. Oh, c'est une dinguerie l'éolienne. En plus, c'est pas si demandant de ça en ressources. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend. Je ne sais même pas comment s'écrit éolienne en fait. Hein. C'est terrifiant. Comment s'écrit éolienne, frère? Ah, mais c'est un objet de DLC. C'est cela, non? Et pourquoi je ne peux pas la prendre, l'éolienne? Elle est non, structure électrique. Mais ici, ça s'écrivait bien comme je l'avais écrit, en fait. À mon avis, il est peut-être juste introuvable. Et oh. Ouais, non, 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 ok. Bon, bah, ça dégoûte. Encore une fois, je me suis encore fait troll. Bien, le jeu fout encore bien de ma gueule pour rigoler, tiens. Ça va faire, moi, de me faire. Wouah. Oh là, mais il y a trop de trucs que. Ça, j'ai envie de le craft, mais de souvenir, c'est énorme. J'aurais pas de place pour le mettre. Allez, je le craft. Ça, j'ai envie de le craft, mais ça consomme des ressources pour un truc que j'utiliserai jamais. Allez, je l'ai crafté, je suis trop bête. On teste un peu, on regarde ce qu'il y a. On rigole. Fabrication, bon, j'ai tout fabriqué ici. Défense. Je m'en bats les couilles. Lit. J'ai pas ça, malheureusement. Ok. Arme. Commun à distance. Arc à poulie. Et hop, c'est fait ça. Arme à feu. En vrai, ça m'intéresse pas les armes. C'est un peu nul. Les munitions. Flèche en métal. Ah ouais. Ah, ça consomme cette merde. Tronçonneuse. Bon, si on peut pas craft. Foreuse. La foreuse, par contre, ça m'intéresse. Il me faut des perles noires. Il m'en faut 36.
Je peux en craft que 700. Non, 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 attends. On craft 500. Du coup, on va prendre l'arc en poulie. Qui ne va pas me servir parce que j'ai pas de flèche. Bien sûr, hein, je fais des crafts qui ne me servent à rien. Il peut pas prendre ça. Ah, si, il peut. Ben voilà, prends les flèches normales. Qu'est-ce qui vient me casser les couilles? Et on va les chasser de la racaille. Encore avec ce temps de merde, bordel. Mais j'en ai ras le bol. Le brouillard, là, mais il faut arrêter. 75-14. C'est assez ridicule comme dégâts. Tu survivras pas, mon pote. Je suis désolé. Ok, bon, l'arc il pue la merde. Je suis dégoûté. La machine gun. La machine gun, je vous avoue que ça, par contre, ça me fait bander. Et vous savez quoi, la machine gun? Comment ça, il y a un obstacle? Je vois pas de... J'ai envie de la mettre ici. Ah mais regardez-moi ça. Bon, j'ai pas de balles, hein, malheureusement. Mais là, mon gars. Regardez. Ils sont pas bien protégés, nos escargots. Mais oui, c'est magnifique. Waouh. Je... Non, c'est très beau, ça. Par contre, ça, je vais me branler après. Et ceci. Ah mais non, mais c'est minuscule de souvenir. C'était énorme. Ils ont peut-être nerf la... La taille du truc, ce qui n'est absolument pas dérangeant, hein, justement, même. C'est plutôt appréciable. Et vous savez quoi, on va le mettre ici. Sans aucune raison, c'est juste parce qu'ici, il y a de la place. Je me demande s'ils ont nerf. Ah ouais, non, ils ont vraiment nerf. Parce qu'avant, les gars, je vous jure que c'était énorme. Et tu peux mettre 300 trucs. Ce qui n'est pas fou non plus, hein. Bah tu reprends ton arc de merde, prends des flèches, prends ça, prends la peau. Voilà. Et voilà, écoutez. Eh bien écoutez, moi je vais m'arrêter là pour cet épisode, parce que je n'ai plus rien à faire en particulier. Et puis bah écoutez, de toute façon, voilà, c'est la fin. Faites pas chier, ciao bye, allez salut, moi je m'en vais. Pire fin de vidéo quand même.